Hey, bon samedi soir, mes amis. Là, j'aimerais savoir, vous parler des processus décisionnels. Autant, parce que tu sais, je le répète, je le répète, je le répète, là, mais j'ai été longtemps travailler pour gérer beaucoup d'employés, puis souvent c'était au-dessus des compagnies avec au-dessus de milliers d'employés. Puis c'est quand t'as une information à communiquer, là, mais vous dire qu'elle doit être la même pour un millier, puis tu sais, c'est ça qui est ça, là. Un millier, 80 000, 100 000, 1 million, 60 millions, 25 millions, 1 milliard de personnes, là. Fait que, let's go. Mettons que t'as quelque chose qui t'arrive devant toi, là. Un problème. Puis ça affecte pas mal tout le monde. Ça risque de faire chier bien du monde, ça risque de mettre, même, ça risque même de mettre du monde dans la merde, ça risque de, tu sais, d'affecter leur vie. Je vous dire que, avant de savoir comment corriger ce problème-là, là, le gap entre, tu sais qu'il y a un problème puis que t'as pas la solution, là, la quantité d'informations qui est propagée là-dedans, là, je vais vous dire, c'est tout ça, c'est tout, c'est tout, c'est tout. T'espères, t'espères. Tu calcules, parce que tu vois rien, t'as pas le choix d'informer le monde qu'il y en a un problème. Parce que t'aimerais bien ça, les informer une fois que t'as la solution. Mais quand que tu sais que tu n'as pas la solution puis que le problème va être découvert par des personnes avant même que toi tu trouves une solution, t'as pas le choix. C'est pas ça. C'est un petit peu. C'est pas. Pour faire comme si le monde était moins intelligent que ceux qui décident au fur en haut, là, mais c'est parce que c'est ça. Le principe de être celui qui gère les problèmes quand tu sais que comme t'envoies le problème à la population, ou que ce soit tes 1 500 employés, ou que ce soit tes 28 millions d'habitants. Mais les questions, ils reviennent à celui qui l'a envoyé, la question, ou le problème, je veux dire. Fait que tu sais, faut que t'aies les reins solides avant de l'envoyer, le petit problème, en leur disant voici un problème, parce que. Ça fait longtemps que le il sweep de bord, là, ça, on passe du on passe du gros reine à la femme là. Je sais pas trop ce que c'est le 21 cent. Je sais même pas c'est quoi cette joke là de 21 cent qui fait le fameux, c'était weird ça. Mais tout ça pour dire que je sais pas à quoi vous attendez là, quand vous écoutez des TVA nouvelles, d'informations qu'ils savent pas là. Pourquoi? Tu le sais qu'ils savent pas, tu le sais. C'est n'importe quoi qu'ils disent, c'est n'importe quoi qu'ils disent. Je sais parce que j'en ai souvent dit pas mal n'importe quoi en espérant que ce soit bonne affaire, là, parce que fuck. Puis pas n'importe quoi, n'importe quelle information. Je parle en termes de date, puis de délai. Tu sais, quand que tu sais vraiment pas combien de temps que ça va prendre de régler le problème. Ben, c'est bizarre, mais la première information que le monde te demande quand tu as dit qu'il y a un problème, c'est quand que ça va être réglé. C'est comme tabarnak. Fait que t'as pas le choix de donner des dates, pis, mais hey, en tout cas, dans le monde comparatif, c'est ça que ça fait, là. C'est que ça fait un énorme stress, comme vous pouvez pas vous imaginer, les amis. Autant le monde politique que le monde corporatif. Ce qui se passe, c'est que l'information doit tellement être transmise dans un délai tout le temps, tout le temps, tout le temps, délai, date précise, des documents transmis par des dates précises, des paiements faits par des dates précises, que le stress, là. Hey, faut de un, les impôts, que tu comprennes bien toutes les règles pour être sûr que tu payes bien les bons montants, que ce soit fait pour la bonne date, que ce soit fait pour les. Le bon document, c'est transmis de la bonne façon, aussi, fait avec la bonne manière, puis. Hey. Si, ouais, je peux pas croire que j'ai été comptable pendant quasiment 15 ans. Hey, je peux pas croire, là. Là, je suis en congé l'instant, là, puis je suis content, je suis payé. Tu sais, parce que j'ai jamais fait du travail longtemps, des 15, 16, 17, 18 heures de travail par jour. C'est ça, les gros bureaux comptables, là, ça arrête pas d'arrêter, parce que c'est ça. On donne des délais! On donne des délais! Le monde veut des délais! Tabarnak, ils veulent des délais! Hey, on a découvert ce problème-là, je m'excuse, même si c'est pas moi qui l'ai causé le problème, puis il vient d'arriver. Ils sont comme, là, ils sont fucking 600 à te demander, ouais, ok, mais c'est quand qu'on va te régler le problème? Je sais-tu, Miguel? Ben, t'as pas le droit de dire ça. Tu dis, ben, par le. Mais tu sais, même si tu dis par le 23 octobre, si le 23 octobre, t'as pas fini, là.
Là, faut que le 20 soit bien sûr, t'auras pas fini dans le 23. Là, que tu le renvoies le 20, avant, tu sais, faut pas le dire le 23, t'auras pas fini le 23. Et c'est ça de même, ça marche, les astuces qu'on entend à la TV. Oh, c'est ça, tu. Là, ils vont pas nous gâcher Noël, là, parce qu'il y a des crises de fucking vaccins de 5 à 11 ans. Hey, 5 à 11 ans, là, c'est si boire, c'est. C'est quoi ces astis d'âge-là, fucking précises, là, entre là pis là, là. Le monde, il change d'âge dans les prochains mois, là. C'est n'importe quoi, là. N'importe quoi, là. Tu sais, pis ça veut dire quoi, sont sûrs, là? Câlisse! Sont sûrs de quoi? Comme même si c'est vrai, c'est tellement pas bien expliqué, là. Comme. Je veux dire, comment tu veux que moi, j'envoie mes deux enfants que j'aime avec plus que tout au monde, leur faire piquer des affaires dans le bras, que ça se peut qu'il y ait. Quelque chose qui les tue, qui est même pas par rapport au virus, c'est juste le tue. Parce que les vaccins, c'est dangereux. T'sais, même si c'est 0,03%, c'est dangereux, Chris. T'sais, on les protège de tout, là, pour qu'ils pognent le COVID, puis ils vivent des vies de marde, justement, parce qu'ils veulent pas te pogner le COVID. Mais en plus, le tue va avoir des vies de marde, tu me dis qu'il faut qu'il fasse un petit. Il se passe quoi avec ceux qui naissent, là? C'est les 3, les 0, les 0 à 3, là, hein? Ils vont avoir 5 ans dans 2 ans, là. Les autres, il se passe quoi, là? Comme ça va finir quand, votre histoire, là? Parce que les autres, ils font juste finir de. C'est n'importe quoi, là. Il y a tellement de monde de vaccinés selon les données, là. C'est quoi le fucking problème? Comme. Là, je n'ai rien qu'un fucking vaccin, là. Mon petit gars, il joue au hockey, là. Je peux même pas aller le voir à la fucking arena, là. Je vais me faire piquer une deuxième fois, là. Je peux pas aller voir à l'arena. T'sais, come on, là. Je vais porter mon petit mal, je vais rester loin du bord de la patinoire au pays, là. C'est quoi le problème, là? C'est le même monde que le gros Walmart, là. C'est 1 heure après, là. Chris, pas besoin de fucking passeport. C'est quoi le fucking problème? C'est une niaiserie. Hein? S'il vous plaît? Processus décisionnel, comme ce que vous transmettez comme information présentement, messieurs les gouvernements, là, ça n'a pas de sens. On va dire, retravailler votre processus de communication, je sais pas c'est quoi que vous faites dans vos soirées de travail, là, vous avez l'air de travailler si fort que ça, mais c'est quoi le style logique que vous nous envoyez comme affaire à faire, là? Hey, information que vous envoyez par TVA Nouvelle, là, sérieusement, là. Hey! Moi, je n'écoute pas ça tant que ça, les nouvelles. Tu me dis qu'il faut que je suive ça, là. Puis en plus, je t'écoute ça, les données ont l'air tellement erronées, là. T'es juste comme, what the fuck, de poste à l'autre, ça se marche pas, là. Comme si les pourcentages, puis ça marche pas, je te le dis. Il y a des pourcentages d'une chose à l'autre, t'es juste comme Chris au CISO à Gatineau, comme s'il y avait 25 000 qui n'ont pas vacciné, là. Puis qui représentent. En tout cas, ça n'a pas de sens, leurs affaires, là. On s'en calisse-tu, là, on vit, on continue les jours et avance, pis c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fasse tout plus que d'autres que ça. Mais là, faut qu'on arrête, là, les 5 à 11 ans, vous voyez bien, là, il y a pas des parents qui vont envoyer leurs enfants faire vacciner des nouvelles affaires, là, même, là, sans que ça ait plus de sens que ça, l'explication, là. Je sais pas que c'est pas correct, faut pas le faire, sais-tu, mais c'est pas avec deux, trois pauses de TVA Nouvelles qui me disent qu'il faut que je le fasse, je vais aller le faire, mes amis, là, hey, comme. Let's go, là! faites des classes, esti, de physique, esti, je sais pas, pis let's go, là, on va s'asseoir pis expliquer nous autres. On n'est pas cave, là, des parents, là. On n'est peut-être pas les meilleurs du monde, pis même que ce soit qu'on. Je veux juste comprendre le fuck comment que ça fonctionne, vos affaires, pour nous dire que c'est correct, là, pis que ça vaut bien plus la peine que mon enfant de 10 ans et se faire vacciner une affaire qui est juste comme. Oh non, c'est pas expérimental, le rhume, la grippe existe depuis longtemps. Ouais, mais ça a l'air pas mal expérimental, vos affaires, là. Avec vos noms qui changent de droite à gauche, là. Comme quoi, c'est moi patient, c'est pas. Tu sais, je pas comme je te dis, c'est tellement, let's go, là. C'est pas M. Legault, le comptable, tu sais, aussi comptable que moi, là, qui va me convaincre, lui, ils ont vu, là, comme. Ça soit quelqu'un qui. Avant que je mette la vie de ma vie, de mon enfant en danger, va vous dire que c'est. Oh! Ça va en prendre des messieurs et des madames devant de moi, là, parce que. Let's go, là. Je suis pas tout seul là-dedans, là. On est tous les parents du monde qui veulent juste pas se faire. Hein? 1%, 1, 0,0, un enfant de mort de trop par le vaccin, ça va être un de trop, ça va être plus dit. OK?
On se parle plus tard. Bon samedi. À plus tard.